C'est l'histoire donc d'un architecte qui est mondialement connu, qui est spécialiste du verre et qui est sur le point de réaliser le plus grand projet de sa carrière. Il a 45 ans. Et c'est la construction du Grand Opéra de Venise, qui se trouve sur la lagune, un peu à la sortie de Venise. Et au moment où la signature se fait, il atterrit à Paris, et là, il va subir une sorte de burn-out de plein fouet. Une fêlure va se produire en lui, et le roman va se dérouler sur 7 jours, où pendant 7 jours, il va progressivement perdre pied, jusqu'à ne plus pouvoir, au moment où il y aura un réglage technique à opérer sur le Grand Opéra, même plus pouvoir régler ce problème. Alors ça passe en revue un certain nombre de thématiques contemporaines, le burn-out professionnel, l'acte de création qui, à un moment donné, est empêché par des problèmes techniques, par des collaborateurs qui ne le comprennent plus tellement il va vite dans sa construction intellectuelle. Et puis, il va y avoir aussi le fait qu'il va se rendre compte qu'il a délaissé sa famille. Il apprend que sa mère est sur le point de mourir. Donc tout ça est concentré sur une semaine et c'est très difficile pour lui de pouvoir y faire face. Et en filigrane, il y a une histoire d'amour en réalité qui avait été occultée par lui, puisque la première fois qu'il a parlé de ce projet, il avait 17-18 ans, à une fille qui avait 15 ans, qu'il a perdu de vue, qu'il a retrouvée après une nuit à Francfort. Et elle-même est devenue architecte, travaillant pour les États-Unis, travaillant pour un grand architecte américain. Et à un moment donné, elle ressurgit dans sa vie au moment où, justement, il est sur le point de péter un câble. Et elle va jouer un rôle déterminant, peut-être pas par rapport à lui, parce que lui, il va se rendre compte qu'il est passé à côté, peut-être, de sa plus belle histoire d'amour. Mais en tout cas, elle va jouer un rôle important dans la réalisation du Grand Opéra de Venise. Et c'est un roman sur une mise au point, un état des lieux personnel et aussi un état du monde, c'est-à-dire qu'il se, mon personnage, Cisco, se rend compte que le monde, et notamment les financiers, ne lui permettent plus d'aller au bout des très grandes réalisations artistiques. Et en fait, ce grand opéra, c'est pour permettre à la culture, à l'Occident, de pouvoir survivre. Parce qu'on voit aujourd'hui les attentats qui sont perpétrés par Daesh, attaquent justement des symboles comme Palmyre, les anciens Bouddhas afghans, les Twin Towers, etc. Donc l'architecture, elle est en première ligne de ce combat, parce que c'est un combat, c'est une guerre. Et c'est même pas des intégristes, des terroristes qui lui mettent des bâtons dans les roues. C'est à l'intérieur même du système occidental qu'on ne permet plus ce genre de réalisation. Il y a une scène d'ailleurs, à un moment donné, il est convoqué au Ritz, qui est en plein travaux, et il est convoqué par un représentant du prince saoudien. Donc il s'y rend. Donc il arrive à un moment donné dans les étages du Ritz qui sont en pleine réfection. Et le deal qu'on lui propose, le représentant saoudien lui dit « Voilà, écoutez, de toute façon, vous n'arriverez pas à construire ce grand opéra. Nous, on vous le rachète tout de suite. Et on va construire la plus grande mosquée d'Europe. » Et là, il prend son chapeau. Il s'en va. Il traverse la Concorde. Et là, il a compris qu'il était vraiment mal barré.